إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alors, le sujet est tarbiya, ou tasfiya, ou tarbiya. Ça prendrait un peu beaucoup de temps. On priera peut-être l'Isha un peu plus tard. Mais ce qu'on voit ici dans la mosquée, comme il s'appelle, le mosquée Rahma, on voit, d'après ce qu'on voit, c'est un peu faible, très faible, très faible. Très faible. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, normalement, on conjugue la situation ici, dans ce mosquée ici. Normalement, ce n'était pas le Dars al-Tasfiya ou al-Tarbiya. Ça devrait être Ejlis bina nu'min sa'a. Bien, on va s'asseoir pour fortifier la foi un petit peu. Malheureusement, c'est ce que vous devrez avoir comme Doros dans cette mosquée ici. Car c'est triste. Et ça peut-être, ça sera pour une autre fois. Alors, tasfiya wa tarbiya, c'est-à-dire at-tasfiya wa tarbiya, c'est-à-dire de se vider d'abord et de commencer à éduquer, se purifier et commencer simplement à éduquer. Pourquoi? Parce que dans la vie qu'on vit maintenant, il y a eu que beaucoup de gens dans les mosquées, sur les paraboles, sur l'internet, sur le pantalon, partout, on entend des ulamas, des fatawas, des associations, même dans les mosquées, on entend des gens qui se disent que c'est des gens qui sont en train d'éduquer les gens. Des imams, des savants qui sont là sur le terrain, donc sur la télévision, n'importe où. Et quand on regarde ces gens-là, ils nous disent non. Notre but, c'est donc d'éduquer les gens. On parle de l'islam, évidemment, on ne parle pas d'autre chose. Mais c'est là qu'il faut faire très attention. C'est là que vous devrez faire très attention. Parce que s'il y avait une éducation normalement, comme il est venu sur le Kitab ou le Sunna, on n'aurait pas cette image de cette mosquée. On aurait une autre image. On aurait une autre image. C'est pour ça Allah Azza wa Jal revient dans Surah Al-Baqarah. Il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Quand Allah Azza wa Jal dit à certains gens, ne faites pas la corruption dans ce bas monde, ne faites pas du mal. Qu'est-ce qu'il répond ces gens? Il dit au contraire, nous on fait du bien. Et Allah Azza wa Jal confirme, non, il faut faire attention, ces gens-là ne font pas de bien, ne font pas de mal. Et c'est là qu'il faut se poser la question. Quand Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a des gens qui appellent à l'enfer, même s'ils ont des images de l'islam, même s'ils commencent par khutbat al-haja, même si vous entendez des versets, même si vous entendez des hadiths, vous devrez faire très attention. Car si des gens y croient, qu'ils appellent les gens au bien, mais eux, ils les appellent au mal. Tu ne l'as pas prié d'après ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans le camara aïkoumouni au salut, tu cours dehors. Normalement, c'est ça le test que je dois donner. Malheureusement, je n'ai pas cru que ça va être comme ça.
Je ne vais pas sortir de ce jet, je reste sur le titre, parce que normalement, ce n'est pas ça le titre qui vous convient, c'est un autre titre. Alors ici, pour savoir comment distinguer ces gens qui appellent à l'enfer ou à l'iyadu billah et qui ont l'image de l'imam, l'image du musulman, c'est de s'asseoir et de demander à Allah Azzawajal de nous guider dans toute cette divergence. Ma'na tarbiya, c'est quoi éduquer? Nous, à la maison, chez nous, à la maison, on éduque nos enfants, d'après comment, d'après quoi? Est-ce qu'on éduque nos enfants d'après le Kitab ou le Sunna? Attarbi à l'éducation, c'est fait pour relever cette personne Adam, cet homme, au stade le meilleur, c'est-à-dire qu'il soit le meilleur sur ce bas monde, l'homme. Le tarbiya, il doit être purifié et il doit arriver à un stade qui est acceptable comme humain. Et comment réussir dans cette éducation? Kifash ghadi ndiru bach nishouf hada tarbiya li ba'u fiha l'oulad l'anna ma andish ana l'ilm bach nrubbi ana wuldi ala l'islam. أنا ما عنديش العلم تاع التربية تاع الفلوع تاع الإسلام تاع الكتاب والسنة، أنا ما كنعرفش، أنا فقط كنعرف نقول لها البنت ديري الحجاب ولا نهرس لك الراس، نوض صلي ولا نهرس لك الضلوع، سي تو سكو جو سي. جو ني با دو لا كونيسونس، دو لا سيونس، دو الكتاب السنة، دو ليديكاسيون دو بروفيس صلى الله عليه وسلم، سكو جو سي كوم ليديكاسيون دو دير ما في، دو بورتي لو فولار، أون جو مي كاس لا تيت. Je dis à mon fils, tu dois prier ou alors je te bats. C'est tout ce que j'ai comme éducation. Est-ce que c'est avec ça qu'on peut y arriver à éduquer nos enfants? Erreur fatale. L'éducation, ça doit être d'après ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. At-tarbiya khassatirir ala hasam ghilimmir rasul sallallahu alayhi wa sallam. At-tarbiya khassatkun ala hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذا التصفية والتربية قبل ما نبدأ في التربية avant de commencer dans l'éducation il faut se vider. Beaucoup de gens reviennent de la rue pour prier, mais est-ce qu'ils se purifient des mauvaises actions avant de commencer à s'éduquer? Non. Et ça c'est l'erreur fatale. Quand on vient vers l'islam, quand on vient vers cette éducation, on ne commence pas l'éducation. On regarde d'abord ce qui est mauvais pour l'enlever. On ne commence pas à planter sur un terrain plein de mauvaises herbes. On enlève d'abord les mauvaises herbes et après on commence à planter. Al-Takhliya ou Al-Tahliya. On peut lui donner un autre nom de Tasfiya ou Al-Tarbiya. Se purifier et éduquer. Al-Takhliya, Al-Takhli. De laisser, de le délaisser et après Al-Tahli. De commencer à avoir des bons comportements. C'est de jeter les mauvais comportements d'abord. Rejetez-les tous. Regarde ce que tu as comme mauvais. Avant de dire, je vais commencer à être bien, il faut d'abord commencer à éliminer ce qui est mauvais. Pourquoi cette purification et l'éducation, ça doit être d'après le Kitab ou le Sunna? Parce que c'est la vie. C'est la vie. Dans ce monde, on a des gens vivants, on a des gens morts. Le mécréant, il est vivant, il est mort. Il est mort. Il marche sur ses pieds, oui. Il mange et dort. Mais il est mort. Allah Azza wa Jal dit, Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal ici? Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez cru, istajibu lillahi wa lirrasul, répondez à l'appel de Allah et de son prophète. S'il vous appelle à quoi? Lima yuhyikum, ce qui vous donne la vie.
Nos enfants qui sont dans la rue, qui ne sont pas dans la prière, qui ne sont pas dans l'islam, ils sont morts. Même si tu lui achètes des bons vêtements, même il est en bonne santé, même s'il fait le karaté, même s'il fait de la boxe, il est mort. Voyez ça, le fort là qui fait les poids à terre, les poids par terre, il est mort. Mais il ne le sait pas. Car Allah Azza wa Jal nous dit ici, « Ya ayyuha alladhina amanu, ntuma li amantum, istajibu ila Allahi wa rasoul. » استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم يدعوكم إلى ماذا؟ يدعوكم إلى الحياة الحقيقية. Il vous appelle à la vraie vie. استجيب. Vous avez vu ceux-là qui sont rentrés et sortis prier? Sauf ceux-là qui ont des excuses. Ils sont invités peut-être dans un mariage ou quoi, où il y a un problème, ils doivent sortir. Mais ceux-là qui sont sortis simplement de dire « Je n'ai rien à entendre, je n'ai rien à apprendre, je vais à la maison m'allonger, manger, regarder la télévision », Allah Azza wa Jal, le prophète, il a parlé de ces gens-là. Il y avait trois hommes qui sont rentrés à la mosquée. Et la mosquée, dans ce temps-là, il avait la porte comme ça, et il a sorti par là. C'était un passage. C'est comme tu rentrais par là et passais de l'autre côté pour aller chez nous. Et il y a trois hommes qui sont rentrés. Il y en a un qui a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un rappel. Il s'est assis, s'est approché. Il s'est pas assis derrière, non. Il s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième, il était gêné de marcher devant les gens. Il s'est assis un peu derrière. Et un autre, il a regardé, il est passé. Il est sorti, il n'a pas écouté. Comme certaines personnes qui sont sorties maintenant. Hachinez le khorjou là-bas. عندما يسمع الدروس ويمشي للطاري ترياه يسمع التلفزيون كان التلفزيون دعوة كان التلفزيون كان مش بحال مني كقلنا الحديث أن الله عز وجل للملائكة لله عز وجل طوافون من الملائكة الله عز وجل خلق ملائكة خاص عرفتوا ايش كيديروا كيطوفوا في الدنيا كيجريوا كيفتشوا على حلقة الذكر Allah, il a créé des gens spéciaux. Rien. Ils n'ont pas d'autre chose de se promener sur ce globe, de chercher le lieu où il y a les doros, le lieu où il y a le maw'idha. Ils ne font rien d'autre. Et dès qu'ils trouvent un lieu comme ça, ils disent aux autres, approchez, on a trouvé. Halumu ila hajatikum, venez, on a trouvé ce qu'on cherche. Halakat. Et alors, ils se regroupent ces anges-là jusqu'ils arrivent au ciel. Imaginez-vous que maintenant on ne les voit pas, mais les anges qui étaient se promener sont venus et sont assis à écouter de la terre jusqu'au ciel. Ce n'est pas devant la télévision qu'ils vont se regrouper ces anges. Toi qui as dit je vais écouter le dos chez moi, dans une cassette, dans un CD, mais tu n'auras pas des anges qui vont venir autour de toi. Des halakat comme ça, c'est pour ça que je vous ai dit approchez ici, ne restez pas loin. ما تبقاوش يبعاد قربوا باش الله عز وجل ينفعك